Bonjour, nous sommes maintenant à 8 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Pierre Laurent, dans un grand entretien au journal L'Humanité, fait des propositions. Un petit retour sur le week-end qu'on vient de vivre. Personne ne peut à lui seul ou à deux, après un restaurant en se partageant l'addition, décider qu'on referme la porte à l'espoir, à l'unité, au rassemblement à gauche. Il y a un danger, nous le savons, on en a déjà parlé. Le danger Marine Le Pen, le danger de l'élection de Marine Le Pen. Et nous savons bien que ni Fillon ni Macron ne sont un rempart à ce danger. Nous savons aussi qu'en finale, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, il n'y a que 2 places pour se qualifier. Alors, ce pacte majoritaire à gauche, présenté, développé dans le journal L'Humanité par le secrétaire national du Parti communiste français, c'est simple. Ce sont des solutions précises à portée de main, des améliorations rapides et réelles pour nos conditions de vie. C'est pourquoi le Parti communiste français est à l'initiative. Ce soir, à la Bellevilloise, à Paris, nous allons justement réunir l'ensemble des organisations politiques, mais aussi des représentants des différents candidats, de notre candidat Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des représentants de Benoît Hamon, pour discuter d'un sujet très important au cœur du changement, puisqu'il est aujourd'hui un verrou. Ce que nous disons ce soir, la finance, ça reste l'ennemi. 2 chiffres, 70 milliards par an dans notre pays d'évasion fiscale, et si nous accumulons l'ensemble des exonérations fiscales et sociales pour les entreprises, ça atteint 220 milliards d'euros. Voilà donc un sujet au cœur du changement, il en sera question ce soir à la Bellevilloise. Dans l'entretien au journal L'Humanité, Pierre Laurent termine par une idée très importante. Ne soyez pas spectateurs des semaines qui viennent avant le premier tour ou de la campagne pour les élections législatives. Il faut que des millions de gens s'en emparent, qu'ils fassent cette question du pacte majoritaire à gauche, des solutions pour nos vies, leur propriété. Ne regardez pas qui a déjeuné avec qui a envoyé un SMS à qui, ou qui dit quoi sur qui. Ce qui est important, c'est que nous puissions créer un rapport de force politique dans le pays et électoral pour les élections qui viennent, pour nos vies, pour des solutions, pour une gauche qui sera reconstruite. Je le sais bien, l'idée de gauche peut faire naître de la défiance. Le quinquennat Hollande a passé à l'arme lourde. La destruction a été massive sur ce que devrait être la gauche dans ce pays. Raison de plus pour la reconstruire rapidement et sur la politique dont nous avons besoin.